Ne bouge pas, ne bouge pas. Oh, la petite s'est tachée. Il faudrait un torchon avec de l'eau chaude. Non, y a pas un torchon propre dans cette maison, là. Où, là? Là, là-bas. Charlotte. Et elle peut pas venir le chercher elle-même, son torchon, non? Et voilà, et voilà. Non, mais est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille? Non, ben ça, elle hésite pas une seconde, hein. Une travailleuse acharnée. Une vraie poufiasse. Oui, mais écoute, Charlotte, on n'a pas l'idée de s'habiller comme ça. Même toi, à l'époque, elle est quand même plutôt affranchie. Tu ne... Attends, j'étais affranchie, moi? Mais comment affranchie? Non, enfin, tu n'avais pas froid aux yeux. Enfin, il fallait pas t'en promettre, quoi. Non, mais tu faisais comme toutes les filles de 18 ans, mais jamais à ce point, hein. Ah, cette jupe à ras-le-bonbon, là, mais... C'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal! Elle se coiffe, elle se décoiffe astucieusement, là, toutes les 5 secondes. Elle parle avec une voix d'enfant. Elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. C'est écœurant, ce cinéma. En plus, je me fiche éperdument de ces simagrées ou de la façon dont elle s'habille. Mais si c'était pas tout cela, hypnotisée, fascinée. On dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, avec ton mari, elle est quasiment obscène. Je l'aurais giflé, moi, à ta place. Hein. Mais si tu savais ce que je peux en voir, des Marilyn. Mais j'en vois entre 3 et 15 par soirée. C'est une vraie routine. S'il avait fallu que je les gifle toutes. Non, mais tu comprends, il est assez connu. Alors elles arrivent comme des mouches. Elles font leur petite danse rituelle. Elles m'écrasent un peu les pieds, au passage. Non, et puis, surtout, pour te dire la vérité, il n'est pas tellement farouche. Comment? Mais qu'est-ce que tu me dis, là? Tu veux dire qu'il n'est pas farouche? Non, mais je disais ça comme ça. Hein, ça n'a aucune importance. Ah bon? Tu m'as fait peur. Non. T'inquiète pas.